Considérée cet été, la Tesla Model 3 est devenue jolie. Le Model 3, 2024 a fait ses débuts en Europe et arbore une partie avant plus élégante, un habitacle plus silencieux avec des matériaux plus raffinés et de nouvelles fonctionnalités souhaitables. Fini l'avant en forme de poisson. À sa place se trouve une paire de phares plus stridents et un pare-choc avant lisse et exempt de phares, anti-brouillard. L'arrière reçoit des feux arrière mis à jour avec des éléments LED lumineux, et les conceptions de roues du Model 3 sont également toutes nouvelles. Bien que les changements ne soient pas drastiques, il s'agit d'une actualisation de milieu de cycle et non d'un design entièrement nouveau, l'amélioration du style est perceptible. Les modifications intérieures sont plus approfondies, et comprennent un tableau de bord dessiné avec un éclairage d'ambiance intégré, une bouche d'aération sur toute la longueur nichée au centre et un volant révisé qui a laissé tomber le clignotant et les manettes de transmission. Un état d'esprit minimaliste a de nouveau été adopté lors de la refonte de l'habitacle, mais la qualité des matériaux intérieurs serait meilleure qu'auparavant. Tesla a également ajouté davantage de matériaux insonorisants dans tout l'habitacle et a introduit davantage de verres acoustiques, qui devraient tous deux empêcher davantage le bruit de la route d'entrée. Deux supports de chargement pour smartphone ont été intégrés dans la conception de la console centrale, et la chaîne stéréo à 14 haut-parleurs qui équipait le modèle de l'année dernière a été remplacée par 17 haut-parleurs. Le revêtement en simili-cuir a également été amélioré dans tout l'habitacle et présente désormais des perforations dans le matériau. Des sièges avant chauffants et ventilés sont désormais proposés de série. L'écran central d'affichage d'infodivertissement et jauge reste le point central de l'habitacle, mais un écran tactile plus petit de 8 pouces a été ajouté à l'arrière de la console centrale pour les passagers arrière. Cet écran permet à ceux qui se trouvent à l'arrière d'apporter des modifications au système de climatisation et de divertissement et peut également servir d'écran pour regarder des films. Un modèle à propulsion arrière à moteur unique et une variante à traction intégrale à deux moteurs sont répertoriés sur le site web destiné aux consommateurs européens de Tesla, tandis que le modèle performance actuellement proposé aux États-Unis manque étrangement. Malgré les changements apportés au style et aux caractéristiques intérieures du modèle 3, l'autonomie du modèle 3 devrait être la même que celle du modèle de l'année dernière. Cela signifierait 500 km pour la version à propulsion arrière à moteur unique et 580 km pour la version à traction intégrale à double moteur. Étant donné que Tesla 2024 n'a pas encore annoncé le véhicule pour le marché américain, nous devrons peut-être attendre pour savoir exactement quand la production commencera et combien coûtera le modèle 3 actualisé. Tesla est connu pour être imprévisible avec les changements apportés à sa gamme, mais nous pensons que nous verrons une version américaine faire ses débuts avant la fin de 2023, avec des livraisons commençant au début de 2024. De plus, cela pourrait signaler une refonte à venir. Pour le frère SUV du modèle 3, le modèle iTesla a révisé les sièges du modèle 3 et a ajouté une fonction ventilée à ceux de l'avant. Les acheteurs peuvent également commander le nouveau modèle 3 avec un système audio amélioré à 17 haut-parleurs et Tesla a même réussi à augmenter la taille du coffre de 561 litres à 594 litres. Les passagers assis à l'arrière reçoivent également un écran tactile de 8 pouces sur lequel ils peuvent régler les paramètres de la climatisation et accéder à diverses fonctions de divertissement. L'écran principal d'infodivertissement à l'avant est également passé de 15 pouces à 15,4 pouces et possède des cadres plus fins. Tesla n'a pas encore publié les spécifications du modèle 3 rénové aux États-Unis, mais ce que nous savons, c'est que sa gamme a été augmentée de 11,12% en Europe. En tant que tel, le standard range RWD d'entrée de gamme peut parcourir jusqu'à 554 km sur le cycle W et LTP tandis que le long range est évalué à 677 km. La standard range peut atteindre 100 km par heure en 6,1 secondes tandis que la longue range avec ses deux moteurs électriques peut atteindre la même marque en 4,4 secondes. Tesla n'a pas annoncé les spécifications du modèle 3 performance rénové. On ne sait pas si Tesla a apporté des modifications à la batterie de la voiture pour augmenter son autonomie, mais nous savons que le coefficient de traînée a été réduit de 0,23 cd à 0,219 cd. Contribuant sans aucun doute à l'amélioration de l'autonomie.